Ça en joie, j'ai envie de dire, ça en joie. Bonsoir à tous et bienvenue donc sur ce live sur Godend. Qui n'arrête pas de me surprendre. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on avait vu. Hein. D'ailleurs, je vous le rappelle, on avait des hommes très peu vêtus, comme boss. Voilà, avec des strings et des choses comme ça. Hier, il m'a doublement surpris. Alors, il t'amène. Allez, le petit groupe de 5 héros sortis de Sentai, genre Power Rangers, tout ça, mais version nain. Et un gorille en costume, qui apparemment n'était peut-être pas un gorille d'ailleurs. Ce jeu m'étonne beaucoup. Allez, on va continuer. On fait appuyer sur la petite charte. On met le petit live où. Et on fait. Yeah! Vous avez entendu? Donc. Yo, toi mon petit Kiba, comment est-ce que tu vas? Allez, on choisit le mode normal. Allez, on est parti. Est-ce que j'avais eu. Attends, niveau 3? Alors tout à l'heure, d'ailleurs, en passage, j'ai parlé avec un ami. Il m'a dit, ah ouais, Godend, c'est génial et tout. En fait, tu sais que t'as des courses de Chihuahua. Alors, je sais pas si moi j'ai accès, je sais pas où c'est. Moi, j'ai supposé que c'était au casino. Mais si, il y a des cours de Chihuahua, je veux les voir. En fait, on se trouverait pas dans une sorte d'arène. Non, non, peut-être pas, en fait. Parce que, ouais, c'est bizarre, je dirais une arène dans laquelle on se trouve. Et là, c'est quoi, en fait? C'est quoi, au milieu, là? Bon. C'est peut-être là. Alors s'il y a des courses de Chihuahua, je veux voir Extreme Fighting Ring. Ah, ça c'est de l'entraînement. Oh. Non, 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 mais c'est bon. Ça m'intéresse pas. Et ça, c'est de l'entraînement. Mais c'est bizarre qu'un lieu comme ça avec un chargement. Hop, ah non, non, voilà. Non merci. Non merci. Match amical. Je vais me prendre un petit robot qui devait aider. Enfin non, mais pas un robot, c'est un truc en bois. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, je sais plus, ça remonte. Le petit combattant, justement, qui est un mannequin d'entraînement qu'on peut avoir dans certains Tekken. Alors, là-bas, il y a des billets. Alors là-bas, c'est le General Store. C'est là où j'achète les Tekken, ça ne m'intéresse pas. On va aller dans le casino. On va voir, hein. Au pire, je reviendrai pas dans ce lieu-là, mais on verra. Ça a l'air intéressant. Je suis venu, sinon je risquais de me faire battre par Madame Bahama. Et attention, hein, moi je sais ce que c'est. Ça fait mal. Bonsoir à toi, ma petite appa. D'ailleurs, bonsoir à tous. Donc j'ai dit bonsoir Kiba, bonsoir Karian, comment est-ce que mais ça va très bien et toi? Les diffusions terminées, c'est très bien. Bonsoir Miss Véronica. Alors, là-bas il y a des roulettes. Une petite musique très jazzy là, comme ça. Ça c'est quoi? Zone suivante. On va voir ça. Sinon, j'irai à l'étage aussi. Alors ça c'est quoi? Oui, je sais. C'est des machines en fait. Machines à sous. Tiens, juste si je les essaye, ça fait quoi? C'est vrai que j'ai beaucoup de sous. Ah ouais, d'accord. Alors je peux gagner 10 000 gold. Ah oui, d'accord, 10 000 gold, 5 000 gold. Des tickets, je ne sais pas à quoi ça sert. 700 gold, parier, 3 fois moins. D'accord, alors. Ah ouais, ça c'est les paris. Ouais, bon. J'ai même la chance du débutant ne m'aura pas aidé. Très bien, bon, ça m'intéresse pas, c'est que des machines à sous qui servent à obtenir. De trucs qu'on peut avoir en combattant normalement, ça m'intéresse pas trop. Ça aurait été des prix spéciaux, là j'aurais dit ouais. Et oui! Oh, GG qui va! Mokujin! L'espèce de mannequin d'entraînement qu'il y avait dans Tekken. Et qui permettait de. Bah, c'était un personnage à part en fait. Un personnage un peu spécial qu'on pouvait débloquer. Alors là où il y a quoi? En fait, il y a peut-être rien. Ça se trouve, c'est pas au casino.
Mais voilà, on m'a parlé de course de Chihuahua et c'est la salle du flambeur. Ah, ok, si tu as moins de... Ouais, je sais, j'étais déjà venu ici, mais en fait, y'a rien. Bon, bah, je... Ça, c'est des escaliers qui permettent de redescendre tout en bas. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, bah, très bien, mais écoutez, bah, tant pis. On va aller... On va retourner en bas. Y'a pas de... Y'a rien ici, y'a pas une petite salle qui serait cachée. Mais c'est surtout l'extérieur, moi, qui me trouble un petit peu. Parce qu'on dirait vraiment une sorte d'arène. Là, c'est circulaire comme ça. C'est bizarre. Bon, apparemment. Bon, bah allez, on va se casser, on va continuer le jeu. Hop ! Pas plus de temps sur ce truc-là. On fait continuer et on est parti. Alors... Ça ressemble un petit peu au niveau que j'ai vu hier, il y a deux personnes. Au témoin d'un doute, j'ai bien sauvegardé hier. Hein. Non, vas-y, je connais pas ce lieu. Je viens de voir là pendant un petit moment. Donc on va prendre une petite parasole et... Il est mort, il est pas mort. Ah, il y a son pote qui... Voilà, ok, il m'a pas touché. Je commence à m'y faire au... Le système de combat de ce jeu. Enfin, il est fait à base d'esquive. Et il faut avoir la bonne approche quand on fait son petit combo. Mais je dois avouer que c'est... Ah putain. C'est assez grisant en fait. Ah. C'est un bad... C'est mauvais, niveau inférieur. Même si j'ai toujours pas compris et je me suis pas renseigné pour savoir à quoi servent les niveaux exactement. Alors zone, ouais mais là je parie que... Ah peut-être une clé, mais j'ai déjà une clé sur moi en fait. Salut Yaryu. Là, bah ça marche pas. Ah bien, bon, c'est pas grave, ça va vouloir dire qu'elle doit s'ouvrir d'autres trucs. La porte est ouverte. Bizarre que cette porte était fermée. J'ai l'impression d'avoir manqué quelque chose là. Mais en même temps, je pouvais pas prendre la porte. Oh, bah c'est là, regardez. C'est des chihuahuas, ça. Ah mais oui, c'est des chihuahuas verts. Hein. Oh, ils sont mignons, ils viennent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il est rouge. Il est rouge avec des points verts. On dirait une fraise. Mignon. Adorable. Alors, c'est marrant que ça intervienne maintenant. Que je le cherchais tout à l'heure, mais pas du tout ici en fait. Après, ça veut peut-être dire qu'à l'intérieur du chapiteau, là, il y a un boss. Hein, il y a des chihuahuas partout, quoi. C'est les rats de la zone en fait, ils sont partout. Bon, bah, je fais que des niveaux qui durent 5 secondes, et hop, il y a une sauvegarde. Des chihuahuas aliens. Déjà que, comment dire, les chihuahuas, c'est. Bah, quand tu regardes un petit peu à quoi ils ressemblent, des fois. T'as les grandes oreilles là et gros yeux exorbités, tu te dis ouais. Oui je sais que t'aimes bien mais ils sont moches. Chihuahua c'est moche. Mais arrête de me donner les coups. Non mais c'est vrai on dirait des aliens en vrai, c'est des chiens qui viennent d'une autre planète quoi. C'est trop bizarre. Non. Ils sont moches. Non. Ils sont tout petits. Alors. And now for our special guest. This should prove to be a wonderful show. Ah bah te voilà toi. Est-ce que je vais avoir le droit de l'affronter? Hate to burst your bubble, but I'm no one's toy. But if you're after a playmate, I know this one girl. You just don't understand women. There can never be two queens. Looks like this dog can be trained after all. The only bitch that needs training is you. So you're gonna train me, huh? First man I've met who's ever said that. Really? I figured a girl like you'd hear that all the time. Oh, c'est punchline. Oh, elle m'attaque avec des cœurs. Le pouvoir de l'amour.
Ah putain, mais c'est que ça fait mal le pouvoir de l'amour, c'est de la merde. Ah oh, mais attends, je remets un chihuahua. Non. Et quand j'essaye d'attaquer, il fait... Cette musique. Non, va manger. Va manger. Oh non. Mais ça se fait pas. Oh, il a petit. Il a un petit tatouage qu'il a sur le dos. Enfin, le manteau normalement qu'il a sur le dos, il l'a en tatouage. Enfin, il a... enfin, c'est bizarre. Elle est classe. Je suis pour. Eh, mais arrête. Mais c'est pas vrai. Mais j'ai pas le temps de la toucher. Ce jeu est trop. Oh. Ah là, ça y est, tiens. Ah bah ouais, tiens. En fait, elle se bat comme Magical Girl, quoi. Casse-toi, la bomba couperbe. Oh putain, vite, vite, vite. Chez la bomba couperbe. Il me semblait qu'on avait gagné une de technique supplémentaire. Bah attends. Peut-être qu'il faut que je la signe aussi, roulette. Voilà, c'est les 100 points. Ah ouais, non, mais pour les 100 points, en fait... Il faut quoi? Deux... Ah mais il faut deux sphères. Et moi j'en avais qu'une. Très bien. Ah, je vais me faire tuer hein. Oh, yeah, yeah. Ouais, bon, voilà, je l'avais dit. Chihuahua pas un chien de combat. Bah visiblement non. J'ai essayé hein, mais il a aboyé. Je crois que les Chihuahuas ne sont pas faits pour le combat. Allez. Hop hop hop. Non. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Mais elle est imbattable. Qu'est-ce que je suis censé faire? Et voilà, je m'écroule comme une grosse dope par terre. Bah ouais. Tenter de lui lancer des trucs à la tronche. En même temps, on voit qu'il y a des choses au milieu là. Il y a des cartes et tout. Il y a une fraise. Ouh, ça m'intéresse la fraise. Ah, attends. Comment j'ai fait pour entrer? Ah, il y a une petite ouverture. Genre. Oh, mais alors, c'est qui lui? Ah, d'accord. Elle m'a enfermé avec les deux trucs. Ah, merde! Ah voilà, là j'ai les deux perles, et normalement je suis capable de faire une attaque 100 points ou je sais pas quoi. On va regarder... 100 points. Ah d'accord, c'est une attaque qui doit être très puissante à utiliser sur les boss. Donc j'ai pas bien fait d'utiliser sur elle. Oh bah. Non, en fait, non. Effectivement, je vais attendre. Et je vais l'utiliser sur elle. Alors... Donc en fait finalement ce sont bien ces chihuahuas à elle. Une fan. Pourquoi pas. Elle doit faire comme ces gens qu'on voit dans les documentaires télévisés qui emmènent leurs chiens partout dans les poussettes, des choses comme ça. Vous savez avec les gens qui ont genre une pièce dédiée à leur chien. Alors, ça y est, hop, punaise. Et ben là, regardez, hop. Le 1000 points, c'est possible. Le lancer sauvage. On l'a pas fait, le lancer sauvage. Je sais que ça. Oh mon dieu. Wouah. Je lui ai démonté la gueule. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, contre les boss, il faut savoir s'économiser et pas balancer toute la sauce comme ça tout de suite. Non! Je cours! Attends, on va récupérer la pièce! Est-ce que je peux courir? Mais non, c'est bon. Ça y est. Non mais arrête! Mais j'arrive même pas à... Attends, hop, voilà.
Oh non! What? C'est un truc de fou! Ça doit être bizarre d'avoir un chien dans son sac à main. Bah, je sais pas. Il y en a plein qui expérimentent ça, apparemment. Qui emmènent leur petit chien partout. Et qu'il a la taille d'un porte-monnaie. Oui! Mais non, mais. Punaise! Attention, je vais montrer ma désapprobation! Voilà! Oui. Mais c'est trop mignon! Regardez quand j'essaye d'esquiver, il fait des petits bonds de côté. Comme si je jouais avec une babelle. Oh là là! Mais qu'est-ce que je suis censé pouvoir faire sans elle, quoi? Ouais. Je vais certainement pas utiliser l'attaque tout de suite. Ça me semble trop risqué. L'enchaînement, elle m'a. J'avais toute ma vie quasiment et elle m'a one shot. Bah, elle m'a presque one shot, il me restait un millimètre et elle l'a terminé avec un coup simple quoi. Oh mais même ça, mais regarde. Ça fait trop mal. Et moi, par contre, je lui fais pas des masses de dégâts, je trouve. Waouh, j'ai essayé de tout faire. Et en même temps, je serais tenté de retourner au centre du chapiteau, là où il y a les autres ennemis, là. Mais... Justement, il y a des autres ennemis et c'est pas bon. Mais arrête, il prend ça, là, au lieu de faire n'importe quoi. Voilà. Moi, tu oserais me faire du mal. Mais elle tape les chiens, mais c'est méchant. Oh. Alors je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai envoyé dans le spectre. Bien, non. Ça, ça m'a rien donné. Ah. Il est trop mignon comme il court. On va aller derrière ce ballon. Mais j'en ai marre, j'arrive même pas à lui envoyer les trucs. Non, 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 rentre pas! Ah, ça y est, vas-y! Ah, mais ça a un cœur. Ah, ouais, d'accord, le gros cœur en fait il me suit et c'est lui qui me transforme en chien. Elle veut manger du Manu ce soir. Elle veut manger du chien. On a un régime alimentaire chez nous. Alors, est-ce que là, je peux la toucher avec ça? Bim! Oh, une orange! Moi, je veux manger une orange. Regardez! Mais j'ai enlevé que dalle de vie, quoi! Et elle, mais... C'est injuste! Qu'elle m'enlève, elle! Et là, j'ai plus rien. Ouais, j'ai plus rien à utiliser. Ah, il doit bien y avoir un petit truc comme ça, caché, non? C'est difficile à croire que... Bon, voilà, elle s'enferme. Enfin, elle s'enferme, elle m'enferme, toujours. Je sais pas, un petit truc, genre quand t'es un chien, peut-être qu'il y a moyen de la séduire, mais j'ai essayé et... Bah, apparemment, c'est pas ça, quoi. Merde, c'est vrai, t'es... Aïe aïe aïe, c'est vrai, elle fait un double kick elle. Wow. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit là. Non, j'ai pas envie d'utiliser ça. Ah ouais, il y a une cerise là-bas. Désolé, la super attaque. Ah, complètement. Allez, on va réutiliser la petite cerise là. Nickel. On va attendre pour utiliser la fraise.
Voilà, relève toi, c'est bien. Copine. Oh non! Aïe 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 aïe! Elle m'a donné quoi? Elle m'a donné une sorte de... Ah non, elle m'a donné de l'or. Je crois que j'ai pas vu une pièce là qui traînait. Ah, c'est ça en fait, une carte. Ok, mais c'est cool parce que ça me permet d'avoir la double technique. Une pièce. Voilà, lui normalement on devrait pas poser trop de problèmes. Parce qu'il est tout seul. Bonjour tout le monde, salut Heather. Oh, le registre musical a changé. Ça change tout le temps dans ce jeu. Un jeu du bon goût qu'on a déjà vu. Voilà, on peut te transformer en petit chien tout mignon. Ça y est. En fait, lui, il est quand même moins difficile à battre que sa copine. Oh putain, ça par contre, j'aime pas. Alors, j'ai pas envie d'utiliser mes deux sphères là contre lui. Putain. Et en plus, c'est vrai, ils peuvent utiliser une saleté d'attaque. Voilà, ça là. Ça t'enlève, je crois, toute ta vie ou un truc comme ça. On l'a vu hier. Voilà, bah voilà. Et ça, c'est fait. Ah, puis... Il encaisse bien, hein, le petit salopard. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Salut à toi, Simon. Tu veux faire quoi contre ça? Je me fais ruiner. Ah, putain. Bon. C'est bien la première fois que je coince véritablement contre un boss. Alors, je vais me rendre direct... Ah, quoi que non. Je vais balancer ça dans la foule. Okay, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Allez, vas-y, bim. Une cerise, toujours mieux que rien. Voilà, tiens. On m'a donné quoi? Il y a une autre cerise? Bon, très bien, toujours pas. Il y a un autre petit ballon là. Allez, où? Je vois les passer. Ah, mais il me tire dessus à travers les barreaux? C'est normal ça? Tiens. Alors moi j'attends qu'elle me donne une autre sphère là. Si je pouvais lui faire un coup de sphère, ce serait cool. Quand je dis sphère, je parle des bulles là qui sont en bas, qui me permettent de sortir les coups spéciaux. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe? Elle m'a humilié juste les bulles. Et ouais. Mais elle évite les coups! Mais elle évite les coups, mais genre, elle s'en fout quoi, elle passe. Les coups passent au travers. Allez, une petite cerise au passage. Et on va aller. Oui! Waouh! Allez, vas-y, attends. On va faire une petite attaque. On est bien en forme. Hop. Cerise. Allez, vas-y. Un petit Godend là. On va l'avoir par la ruse. Bon, le Godend, ça dure pas longtemps, c'est de la merde. D'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas faire que ça dure plus longtemps, quoi. Ça a déjà duré une dizaine de secondes, c'est vraiment pas assez. Voilà, bon, elle va fermer la cage. C'est quoi la grosse barre violette et sa barre de vie à elle? Non, pourquoi j'ai pris ça? Ça se présentait pas mal, là. Et voilà, j'ai fait une connerie, et du coup, bah... Allez, vas-y. La vie du boss. Et la vie du boss qui au passage, je le dis... file à la vitesse d'une tortue. On n'est pas près de la battre quoi. Hein. Putain, mais elle était pas assez dure qu'en fait ils ont même été jusqu'à nous placer jusqu'à nous placer des petits ennemis là comme ça avec elle. Allez tiens, prends ça BLC. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle avec son chapeau, on dirait BLC. Tiens. What? Allez, tape! Ah, il esquive beaucoup moins. Aïe, 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 aïe! Ne rigole pas, toi.
Oh là là. Oh non. Voilà, encore une fois je me fais toucher. Et je suis mort. Tout ça à cause de ma connerie là, si je n'avais pas pris la fraise au mauvais moment, voilà. VLC Woman. Mais c'est ça, elle a vraiment le chapeau VLC. Oh, je vais mettre un temps fou pour la battre. Je vais y passer l'heure. Mais sa barre de vie, c'est hallucinant, hein. Elle tombe pas. Ah, une cerise. Ouais, par contre, elle me donne que des cerises dans ces trucs là. Ah, des pièces, ouais. Là, ce qu'il me faudrait, c'est... Ouais, c'est pas ça, quoi. Allez, blablabla. Je vais me toucher avec ça. Je le rappelle, je me transforme en chihuahua. Je deviens mignon, mais moins costaud, quand même. Juste qu'on va éviter. Où qu'elle est? Évidemment, elle a été de l'autre côté, bah... On est en train de se courir après. Ah! C'est vrai que la musique c'est troublant par contre. On va récupérer le petit podium. Mais qu'est-ce qu'elle fout à l'intérieur? Normalement elle rentre pas toute seule. Ah, cette musique plutôt écouter du Jules en boucle. Ah wow. Y'a des gens qui aiment pas cette musique? Oui, oui, oui. Oh là là, et bah voilà. Regardez comment j'ai tout mignon. Ah non, pas ça. Voilà. Il la frappe pas, c'est elle qui veut pas jouer au ballon de plage avec lui. Il s'est trompé de jeu en fait, je voulais jouer à Dead or Alive à Beach Volley. Nice. Je me disais bien que la jaquette n'était pas la bonne. Bon bah... On va rentrer à l'intérieur, hein. J'ai rien fait comme dégâts là. Essayez de pas prendre la fraise cette fois-ci. Wouah, mais... Dégage, VLC. Oh là là, je me fais martyriser par ce... Attends. Qu'est-ce que tu me fais là? Hein, Jackie Chan, oui. Toi par contre, tu te fais pas couper par le chapeau, hein. Ah là, c'est bon, j'ai récupéré ma vie. Oh voilà, quand je touche les dents le temps. J'aime bien. Oh! Aïe, oh là là. Ok, nickel. Tu m'as donné. Alors ces petites cartes là, je sais pas quoi elles servent par contre. J'ai à chaque fois une petite aura autour de moi, donc on pourrait se dire qu'elles me rendent plus fort, en tout cas pas plus résistant. Mais laisse-moi me. Pas l'air, hein. Ça a pas l'air de me rendre plus fort. Okay. Putain. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà, j'ai une carte. Voilà, peine de ballon de plage, mec. Oh, oh oui. Oh oui, vas-y. Hop. Nice. Voilà, j'ai quasiment récupéré toute ma vie. Bon, on en est loin, mais... Allez, vas-y, tape. Oui. Oh oui. Ah, ça, c'est bon. Parce que du coup, j'ai toujours mon coup... Ah, j'ai toujours ça. Et là, je lui en mets du 100 points. Alors qu'à l'éveil, les pattes en l'air. Oh putain, oui. Oh, que ça fait mal.
Ah, t'as du mal, hein, gros trou. Mais elle, maintenant, elle va me faire mal. Parce que je vais jamais enlever... En m'y prenant à la régulière, c'est-à-dire sans... sans utiliser... voilà, là, ça va, voilà. Sans utiliser mes coups spéciaux, j'ai jamais pu lui enlever la moitié de ce que je lui ai enlevé là. Elle est trop trop puissante, alors on va l'attendre. Coucou! Aïe! Je me fais chier, madame. Niveau sup! Qu'est-ce qui se passe? Sakura, chasseuse de... Ouah! Sakura, chasseuse d'emmerde. Putain, je vais où? Je vais mourir. J'ai plus rien. Voilà, j'ai plus rien. Il n'y a plus rien à lui balancer à la tronche. Non, je ne deviendrai pas un petit... Oh, bon, en fait, c'est... Mais t'es méchant, tu me réfléchis, ça se fait pas. Mais il y a un moyen. Alors, j'ai l'impression que par contre, il faut que je change le truc qui renvoie les ennemis au loin. Faut que je change. Faut que je change. Ça me va pas. Parce qu'en fait, ça me coupe dans mon combo. Les 100 couteaux de fourrure de métal scolaire. Mais je pense que c'est complètement... Je l'avais déjà dit, de toute façon, qu'il y avait pour moi pas une inspiration, mais bon... C'est clin d'œil à l'univers de Ken. Et là, je pense que c'est complètement Ken, quoi. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est de la merde. Là on va mettre... Oh, c'est quoi? C'est l'avant-bras 1. Ouais. Parce que ça, ça envoie les ennemis trop loin. Et du coup, ça me ruine tout mon combo. Avant-bras 1. Ah, c'est vrai. Et... Là, on va pas mettre le canon béni, oui, oui, c'est trop de la daube. On va mettre un truc bien puissant pour terminer le petit combo. Alors celui-là, genre, il est... Voilà, regardez. Ah oui, mais il lance les ennemis. J'aime pas les trucs qui lancent les ennemis. Voilà, ça c'est quoi? Ça fait 5, 5, 5. C'est 15. 9. 18, un casse-garde. Ah, pourquoi pas. Oh, celui-là, il est bien. Alors, on va prendre tueur. Alors, j'ai un nouveau combo maintenant. Je vais voir si ça m'aide mieux ou pas. Quoi? Ah, mais j'ai réutilisé ce vieux coup. Mais il sert à rien ce coup. Mais. C'est celui-là, en vrai? Ah mais non, mais pourquoi il s'est mis là, le canon B-oui-oui-oui, oui, oui, là, j'en veux pas, moi, ça. Oh là là. C'est de la merde, celui-là, mais c'est de la merde. Ah, celui-là, il fait 25, quoi. Ah, mais il lance ses ennemis, c'est pareil, quoi. Ou alors, je mets le coup haut croisé, ici. Et à la place du canon Benilui. c'est ridicule comme nom. Je mets celui qui envoie au loin là. Oh non, pas celui-là, jab gauche c'est quoi ça? Percute, revers de la main. Direct. On devrait pouvoir classer les attaques par puissance. C'est chiant là comme ça. 4, 4, 8, 3, 16, ouais, comme la justice. Allez. Ah lui il fait. Voilà, l'avant-bras 1. Il lance les ennemis. Ah non, c'est pas bon, faut pas qu'il lance les ennemis. Coup de fio, lui il fait 16. Que moi je. Oh attends. Ah non d'accord. Ah ouais, lui il est plutôt rapide. Petit coup de genou là. Oula, celui-là il... Ouais mais il lance les ennemis aussi. Putain. Ouais. Du tonneau, c'est quoi ça? 25, lance ennemi. Je cherche un truc qui n'est pas d'effet. À la limite, jongler avec l'ennemi, ouais, pourquoi pas. Même si je préfère éviter.
Bon bah on va prendre celui qui faisait 3x5 là. C'est celui-là. Alors on va essayer celui-là. Bon, j'ai plus le Benny Bibi. Je ne mets pas le Benny Bibi. Putain, mais je peux rien faire. À peine, je reviens dans le combat. Vas-y, tue-moi. Tu mets la musique de Benny, ça marche. Ce serait dommage de trouver une musique comme ça. C'est magnifique, n'est-ce pas, ma musique? Eh, vas-y, tue-moi. Fais-toi plaisir. T'as vu le temps que je l'ai affronté, elle, mais jamais j'aurais cru que le combat serait si difficile. Allez. Et par contre, j'espère que ça va pas... Et ça m'a pas supprimé mon coup quand même. Attends, on va voir ça tout de suite. Non, c'est bon. C'est bon. Vous voyez, maintenant, je vais plus... Aïe. Je vais plus l'expédier dans la stratosphère à chaque fois que je voudrais enchaîner. Oh, mais stop. Mais c'est de l'abus. Ah, je suis pas mort. Oh. Bon, bah très bien. Ouh, je suis trop mignon, regarde. On fait des petits tours tous les deux. Hé hey, vas-y, donne pas les coups de pied. Allez, on va prendre un truc que j'ai pas... Le lancer sauvage. Ah mais non, c'est le truc de baseball, ça. On va voir si c'est mieux. Ah, ouh non, c'est pas mieux du tout. C'est pas mieux du tout, le lancer sauvage. Ça fait quand même pas mal moins de dégâts, quoi. Bon, on va passer... On va passer tout notre temps sur ce boss. C'est bien. Allez, c'est mieux depuis. Ouais, je m'en sors mieux depuis que... J'ai refait... Il m'a refait mon combo. Allez, recule. Le boss c'est vraiment Magical Girl parce que je sais plus, mais complètement avec ce petit tour de magie là et tout ça. Et ça doit pas être si anodin que ça. Comme ça. Oh, ça va, elle m'a pas touché. Ok, voilà, vas-y, kicker. Ok. Et mais vas-y, mais ça donne plus rien. J'aimerais bien que quand je lui tourne le dos, l'autolock fasse que je me retourne contre elle automatiquement, quoi. Vas-y, non. Oh, une orange. C'est bien. Vas-y, cours, petit chihuahua, cours. Oui, tu fais trop de bruit. Alors, oui. C'est juste, hein. Bon, bah voilà, de nouveau, je suis obligé de rentrer à l'intérieur. Ouh, elle m'a raté. Bien. Oh, ça, c'est cool. Non, 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 non. Vite, 100 points. Ah, putain, ouais, ça fait du mal. Ah, ça, c'est... Ah, ouais. Et quand même, bien plus de dégâts que... Oh, le fessé. Je pouvais aller faire le fessé. Ah ouais, vous avez envie de me voir lui mettre une petite fessée là, une petite correction. Putain. Non, non. Voilà, le bouton. Ami life, mi life, mi life. Ouf, voilà, c'est bon, j'ai fait exprès. Parce que je sais qu'en fait, à partir de ce moment-là, elle me fout la paix. Je vais attendre un peu avant de prendre la fraise, un petit peu de vie encore, pour demain. Faudrait peut-être un casse-garde en fait comme technique. Alors, je sais pas si c'est possible. Un casse-garde comme troisième technique.
Qu'est-ce que j'ai comme casse-garde? Attends, est-ce que je peux les coupiner, coupier, entraîner, et sur des lits? Casse-garde, on est deux. Ben, j'y suis là! Parfait. On soba ton noyant. Ah mais non, mais je l'avais déjà. C'est quoi l'autre? Ouais, c'est le casse-garde qui fait deux, quoi. Ah bah tant pis, hein. Ça rentre dans la tête, c'est plus vite, c'est plus de coups. Non! Ok. Allez, vas-y. J'utilise mon Goden, par contre, ouais, c'est pas très grave. Parce que... Regardez, grâce au Goden maintenant, je le propulse pas. Allez, écrasement. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Non, ça me casse les couilles avec ton chapeau, toi, putain. Je vais finir par plus utiliser BLC, moi. Hein. Hop, hop, hop. C'est quoi là-dedans? Est-ce que ça m'a donné un fruit par hasard? Il y a un manque, non? Oh putain! Vas-y, donne-moi un fruit, toi, Foucault. Elle est où? J'essaie de les différencier grâce à leurs points sur le radar, mais. Oh punaise! Ah, j'ai pas eu de chance. Ah, ça, c'est bien. J'ai expédié au loin. Vas-y, donne-moi un fruit! Oh, mais il est presque mort, lui! Oh, le matelin! Ouais, allez, c'est toujours mieux que rien. Je crois qu'il y a une orange qui m'attend de l'autre côté. Oh, nickel! Regardez. Hop. Et 100 points. Et là. Oh, je vais visiblement pouvoir lui mettre une petite fessée. Ça va marcher, la fessée? Non, ça n'a pas marché. Oup, hop, hop, hop. Non, 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 non. Bon, voilà. Et il lui reste plus beaucoup de vie, quoi. Enfin, pas plus beaucoup. Bon. Il lui reste de la vie de façon raisonnable. Si je fais gaffe, ça devrait pouvoir le faire. Ça va être long, par contre, hein. Ah non, je vais l'attendre, voilà, je vais faire comme ça, je vais l'attendre. Sur... Oui, bah écoutez, c'est... Je veux survivre, je veux pas avoir fait tout ça pour rien. Vous avez vu comment elle est bien, ma technique? Je me suis fait toucher, malgré tout. Putain. Allez, vas-y, désinstalle du VLC, la Magical Girl, là. Je suis Sakura, chasseuse de virus. Oh! Ah oui, c'est incroyable! Je m'étais trop bien battu, quoi. J'ai eu de la chance d'avoir... deux fois deux grosses attaques. Mais comment vous faire pour la battre, elle? Mais ils sont fous! Mais regardez la vie qu'elle m'enlève! Maya, Maya, pop, 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 Maya, Maya. Quoi, t'aimes pas la musique? Oh non! Ouh. Ah non, pas celui-là. Ah, celui-là, il est mignon. Je lui gueule dessus, ça, genre, waouh! Huh?
Vite, recule, recule, recule. Ah, nickel. Ah, pas nickel. Hop là. Ce qui veut dire que je vais chercher ça. On va voir s'il y a des choses dedans. Ces fruits là. On passe par l'intérieur. On m'a pas donné un fruit. Et l'autre, il y avait un autre ballon, je crois. Ah, il est là. Voilà. Allez, avance vers moi. Bon, eh ben on va aller chercher, c'est pas grave, on va aller chercher le fruit qui est à l'intérieur. On va essayer de bien se battre surtout. Eh ben c'est raté! C'est le boss qui te défonce à distance et au corps à corps. Mais oui, c'est ça! À distance, je peux utiliser vite fait les ballons, mais c'est pas ça qui lui fait beaucoup de dégâts. Corps à corps, elle arrive à encaisser mes attaques quand même. C'est-à-dire, elle arrive à péter un de mes combos, elle fait ce qu'elle veut de moi. Et en plus, on peut pas dire que je lui fasse énormément de dégâts, quoi. Par contre, elle, c'est hallucinant. Je peux pas trop me défendre. Voilà. Regardez. Ah, je suis couché. Donc je peux pas me relever vite. Elle me touche comme ça à répétition. Ce qui la rend impossible à battre. Elle est où? C'est hallucinant. Ah mais ils ont pété un pont quoi. Elle est trop dure. Je suis dégoûté parce que tout à l'heure j'étais presque. Mais je suis à Okan, non, meilleur en taille combat 9, c'est pas aussi. J'avoue. Elle te détrône sans contestation possible tous les boss de jeu de combat. C'est marrant parce que, regardez, vous avez vu, mes coups passent au travers. Dès qu'elle fait son Magical Girl, là, je la touche plus. Voilà, regarde, je passe complètement au travers. Alors, c'est possible de la battre. Demain, mais qu'est-ce que c'est lent. Je me suis fait toucher par l'amour. Je suis un petit chien. Oh, ça c'est bon. Une petite orange. Elle est où? Elle est là-bas. On va attendre qu'elle sorte du machin. Allez, qu'est-ce qu'elle m'a donné? Une petite pièce. Oh, c'est pas grand chose d'intéressant, mais voilà. Moi, je récupère la petite orange qu'elle a, la petite cerise, et comme ça, je suis quasi full life. Non. What? Eh, mais elle me l'a jamais fait ça. Ah ouais, et puis dès qu'elle est à distance, elle utilise ses super coups avec les cœurs partout là. Et ça devient plus possible. Mais en plus de ça, je veux dire, la fille fait appel à deux gars. C'est déjà chiant. Mais parmi les deux gars, le mec, forcément, va faire couper un démon. Ça va?
Tout se passe bien, les gens? Ils les ont pas pété, un peu pété un plomb? Ah, mais ça me convient pas. Ce que j'ai fait comme dernier combo ne me convient pas. Il me faut un combo pour la balancer de très loin. Lance-ennemi, voilà. J'ai quoi qui soit très puissant avec une lance-ennemi et plutôt rapide. Bah, celui-là. Celui-là, non, il est trop lent. Bon, bah, allez, c'est le pied arrière, du coup. Ah, tiens, hop, bim. Elle a encastré dans le sol. Elle est où? Ah mais elle est morte? Mais non, elle est pas morte, évidemment. Eh hey, putain! Oh mais c'est chiant, arrête avec le chapeau là! Oh ça va marcher, je l'ai pas lancé. Ah oui, il prend un petit recul en fait avant de la lancer. Ouh si, ça a bien marché là. Ah là, elle est morte. Allez. German suplex. Ah, tu connais ça, t'es sûr. Pardon. Kiba. Ouais. Parfait. Parfait, il m'a donné une orange. Parfait. Et là, normalement, je vais lui refaire le cul. Parce que... il est contre une grille. Regardez. Bim. Yeah, I love it. Faudrait que j'essaye le coup du dragon aussi. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Ça y est, alors. Ouh, elle est rentrée. Bon, je vais essayer de récupérer la. Voilà, là. Cerise. Alors, tape. Coup du dragon. Oh non! Du dragon, j'ai jamais essayé celui-là. Mais merde, quoi, je l'ai envoyé dans la stratosphère encore. Oh là 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 là! Eh ben, on va essayer de faire comme ça jusqu'à la fin du combat. Non! Putain, ça promet. En plus, des fois, elle me feinte et elle fait un tour de plus. Donc, essayer d'étudier son pattern à elle, c'est pas très utile. Ah, mais il y a un truc qui me dérange quand même, c'est que le dernier coup que j'ai mis, qui projette l'ennemi, il a pas une portée assez longue. On va remettre l'avant-bras, putain, j'ai l'impression de tout faire n'importe quoi. On va mettre l'avant-bras, il est là. Bon, ça, je suis revenu en fait à ma première configuration que j'avais depuis hier. Hein. Voilà, voilà, là, elle me feinte. Il faut pas. Faut surtout pas la laisser attaquer à distance. Et c'est qu'elle se bat bien hein, quand même la bougresse. Oh! Évidemment, ça m'a rien donné. Mais donnez-moi des choses! Tous les trucs que je pète, y'a plus rien dedans! Regardez, je vais quand même, sans utiliser de coups, vider pas mal de vie, mine de rien. Allez, on va faire ça. Comme quoi, c'est possible hein, de la battre, hein, évidemment, au corps. Enfin, sûr, je parle sans technique.
Ah, recule, recule. Aïe aïe aïe, bon. Voilà, j'ai plus de vie, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire je vais chercher la fraise qui est au centre de l'arène. Elle est violente au corps à corps, elle fait super mal, que ce soit au corps à corps ou à distance. Faut apprendre à gérer. Oh, une carte, ça c'est cool. Alors, faut surtout pas que je l'appelle maintenant. Faut apprendre à gérer en fait au corps à corps. Ça, c'est une pièce. Allez, on va l'écraser. Pas trop, parce que lui il va faire tomber un démon. Ah, puis j'en ai un. Juste marre de la putain de vie. Ah, j'aime pas savoir que son petit copain est derrière le elle aussi. C'est bon. Oh, en plus de ça, il m'a donné une orange. Ça y est. Et lui m'a donné une cerise. Eh, pas mal. Alors là, je suis complètement fait enfler par la caméra. Putain, bon bah voilà, c'était bien. C'était bien jusqu'à ce que je perde le contrôle de la cam. Putain. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Le truc t'attaque trop vite. Wouah! Alors là, j'aurais pu y passer, mais trop facilement. Alors, ce qu'on va faire. Ouais, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. On va pas faire le coup du dragon, du coup. C'est 100 points. Ça reste ma technique la plus puissante. Il me reste plus de vie, hein. Évidemment que je vais crever. Mais, voilà. Couper. La fessée. Eh ben, je me serais bien défendu, mais je vais crever. Regardez le peu de vie qui me reste. J'ai regardé, c'est par hasard. Il y a un fruit que j'aurais oublié, mais... Je dis, il y a une chance si tu restes au bout. Et là, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Ah, mais c'est dommage parce que c'était bien. Je pense que si la caméra n'avait pas cafouillé au moment où j'ai battu le démon, où du coup j'ai usé mon Goden dans le vide. Je pense que là j'ai eu une chance. Et voilà, avec ici on fait du bois. Oh, une orange. Orange, c'est bien. Là ici, s'il me donnait par exemple directement une pièce qui me sert à augmenter, à recharger mes pouvoirs, ça serait nickel. Ça arrive une fois, mais là, c'est rare. L'orange, surtout pas. Ok, voilà. Putain.
J'ai chié avec son fouet. Oh, fessé. Je crois que c'est la mort, hein, le problème. Mort de la fessée. Ah non. Non mais je t'inflige une correction humiliante et tu reviens. Et alors là par contre c'est pas mal. Pour une fois, il faut pas que je merde avec le démon qui va sortir de lui là. Et ça peut le faire. Mais c'est vrai que je compte à mort sur, sur mes coups spéciaux. Sans eux, toute ma stratégie est là-dessus, quoi. Sans eux... Mais c'est de la mort. Regardez, la caméra a encore cafouillé, donc je perds un petit peu de temps. Pas trop, ça va. Allez. Oh, ça se passe plutôt mal. Pas mal, je veux dire, pardon. Je garde mes... Je veux surtout pas utiliser mon coup contre lui. Allez vite, relève-toi, putain! Ça y est, nickel! Alors, maintenant. Viens là, toi. C'est 100 points. Bonsoir. Ah non, ici est Ryu. Il était déjà. Oh, bonsoir. Hop. Est-ce que j'ai le droit de lui mettre un fessé? Non! Regardez là ce que je vais faire. Hop. Putain, non. Un autre 100 points. Les coups spéciaux sont limités? Non. Les coups spéciaux en fait sont... c'est les billes que je ramasse. C'est l'espèce de carte en fait. Et ça... Oh putain. C'est rechargé par les cartes que je ramasse qui sont aléatoires. Donc non, c'est pas du tout illimité malheureusement. Je vais chercher l'orange, je vais reprendre de risque, sauf que là, ça se passe, ma foi, plutôt pas mal. Où qu'elle est? Elle est là. Ouais, alors j'ai plus de coups spéciaux, mais elle, elle a plus de vie. Ça veut dire que ça va bien ensemble. Il me reste une fraise au milieu du terrain. Je n'hésiterai pas là. Je n'hésiterai pas à l'utiliser. Je vais la prendre maintenant. J'ai trop peur de faire une connerie. Oh, mais j'ai ça en fait. Alors, ce que je viens de prendre, le magazine érotique là. Mais il n'y a plus la fraise en fait. Eh ben, ça recharge mon Godend. Comment dire que là, elle est foutue. Oh putain. I know. I always seem to exceed women's expectations. You certainly exceeded mine. Ah yes, another satisfied customer. Un petit plan en fesse, évidemment. Bravo. This is farewell for now. Putain, elle était bien dure, hein. Et dire que la dernière. Et dire que la dernière fois, j'ai dû raconter deux fois le gros boss. Si elle, elle revient, ça va être relou. Un bus. C'est bizarre. GG, merci. Ah, ben, je suis content. Allez, on va s'arrêter là maintenant. Et ouais, je suis désolé, j'aurais passé
le live entièrement sur un seul boss, mais c'est quand même très compliqué. It seems you failed us as well. Ah, moi, elle m'a pas déçu. Hein. Don't talk to her like that. Remember who's in charge. I won't make excuses. You just have to let me finish what I've started. We want him alive. I'll do it. Ah, le beau gosse. Shut up, human. You think we'd let filth like you screw this up? Elvis, shut up. Just let me make that man my slave. Donc on va la réaffronter, je pense. Enough. I'm going to try Dr. Ion. Okay? You're going to use a cheap tin can for this? If Dr. Ion can capture the God Hand, he can take your place in the Four Devas. If you replace me with that stupid toy, these meetings won't go any smoother. Sometimes I think all we do is hold these ridiculous meetings. Pitiful. I'm gonna do this my way. Mais regardez-moi ce petit beau gosse là. Ta petite coupe nickel avec ses petites lunettes. Et bah nickel. Et bah vous savez ce qu'on va faire maintenant, avant d'arrêter, on va aller chercher d'autres coups. On va au magasin. J'aurais dû sauvegarder. Or, même, c'est, voilà, pour prévoir la console qui freeze ou je sais pas quoi, et que du coup je dois me retaper le boss sur voiture. Ouais, c'est pas grave. Eh, hey, mais je peux acheter les techniques du roulet du coup. Parce que ça, j'y ai pas pensé, mais finalement, c'est trop bien. Technique de récupération, récupère 30% seulement. Genre, je me prive de deux sphères, voilà. Deux sphères et je récupère que 30%. C'est de la merde. Alors, attendez, ça, c'est quoi? Deux sphères, ouais. Ça, c'est utilise une sphère. Ah, il y en a d'autres ici. 230, 250... Ah, mais attendez. Énergie ? Mais attends, comment ça se fait ? J'ai pas vu ça avant. Oh, mais je peux augmenter ma santé et tout ? Et moi, j'ai jamais fait ? Augmente le nombre d'attaques de 1 et bonus spéciaux. Clex Live ? Je pense pas. Pas le mercredi, plus le mercredi maintenant. Pas mal ce jeu, je connaissais pas. Mais c'est toute la vocation du live, mon cher Ryu. De faire connaître des jeux un petit peu méconnus. Putain. Vous vous rendez compte que j'ai galéré comme un chien alors que j'aurais pu faire ça? En fait, j'avais vu ce menu. Mais je pensais que c'était des trucs pour se restaurer de la vie sur le coup. Mais non, pas du tout. Parce que la vie qu'on a perdue, entre les niveaux, elle se restaure pas. Par contre, ce truc qui est à zéro, je sais pas ce que c'est. Donc, alors, j'ai un smoothie free, ça augmente ma santé de 20. On manque la santé de 40. Le goût des tropiques. Ah oui, on est vendredi, c'est vrai, pardon. Je suis en train de planer, bah je sais pas. Santé de 30. Augmente les sphères de roulette de 1. Ouais, c'est m'en fouille. Enfin, par contre, ça coûte cher. Hein. Ça c'est fait. Donc, le nombre d'attaques spéciales de... Allez, hop. Ah. Oh, Sushi Shogun. Voilà, épuisé. Pizza toutou. Je vais regarder ce qu'il y a dans les techniques. Je vais avoir des nouvelles techniques, là, je pense. Ouais. Une petite attaque de 12. Ouais. 20. Pourquoi pas, mais non. 8, 16. Ouais. 17. Pas mal celui-là. Il est rapide. 18. Oui, il est un peu lent, cette fois. 2 donc. 20. 20. J'ai aucune technique qui me botte. Écoutez, du coup, on va placer toutes nos petites économies dans la santé. Je peux ? Ouais, je peux. Alors, attends, ça, c'est 40, 30. Mais oui, mais ça, c'est con. 24 000 et ça augmente ma santé de 40. 10 000, ça augmente ma santé de 30. Ça me semble plus intéressant, non ? Voilà, 18 000. Ah putain, mais ouais, ma santé a bien augmenté, quoi. Évidemment, mon Goden aussi, il augmente. C'est pour ça que mon Goden, il était toujours ridicule. C'est à ça que ça sert les sous.
Bah, Jackbox, pas de disque dedans. Mais en fait, ouais, du coup, c'est vrai que ça devient intéressant de jouer au casino. Voilà, et de gagner des sous qu'on va pouvoir réinvestir dans son personnage. Eh, j'y ai pas pensé. J'ai mis au mieux des raviolis fraîches. Allez, on va s'arrêter là. Bah, je suis content. Ça veut dire que le prochain live, je vais être plus puissant. Désolé, j'avais pas vu ça. C'est bon, on va terminer. Je vais être plus puissant. Et puis j'ai un combo qui est cool, pas besoin de changer. Ça me donne faim. J'ai bu une pizza toutou, ça aussi, les heures. Bon, et ben voilà, on va s'arrêter là. Bah, il est toujours aussi cool ce jeu. Bon, je suis désolé, le live est fini, le live est fini. Je suis désolé. un live, un boss, mais vraiment, il était difficile. Je pense que j'aurais vraiment, vraiment pas pu faire mieux que ça. Je me suis même vraiment bien débrouillé, je trouve, dites-moi, voilà, le boss, je l'ai découvert sur le coup, je le connaissais pas, et il a fallu quand même un petit peu de chance également, c'est-à-dire il a fallu tomber sur les bonnes sphères qui me donneraient deux fois la capacité de faire mes 100 coups, là, mes 100 points. Donc voilà, ça a été difficile. Je vais vous faire tous des grosses bises, je vous dis demain, donc demain on va faire le jeu que j'avais pas pu faire samedi, qui était Knights of Azure, si YouTube le veut, l'incertitude, si YouTube le veut on le fait demain, et puis voilà, bah passez un bon samedi, je vous remercie à tous d'être venus, merci pour cela Emmanuel, rien que pour VLC les Magical Girls, c'était marrant, mais oui, il est bien ce jeu, et bisous à tous.